Bonjour tout le monde, c'est toujours un plaisir pour Flash TV Haïti rentrer la caillou. Aujourd'hui, nous rentrons dans le cadre d'une émission qui est le Flash Variété. Et nous gagnons sous console la Stanley, moi-même comme présentatrice Sarah Lee Jules. Aujourd'hui, je ne suis pas pour compte, parce que aujourd'hui, nous gagnons un pile bagaille, nous prenons le palais. Côté que sujet, c'est la faim, un phénomène destructible en Haïti. Nous gagnons un invité que nous avons demandé pour inviter à capable présenter pour nous, s'il vous plaît. Bonjour Mekinson. Bonjour Madame Jules. En fait, moi c'est John Mekinson Unizer. Moi c'est étudiant à la faculté d'ethnologie. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui pour m'avec Madame Jules. Merci. Eh oui, nous sommes avec Enzia qui est un étudiant à la faculté d'ethnologie. Madame, Monsieur, c'est comme ça et nous allons observer la première pause pour nous capables de venir ensemble avec notre sujet. Bon, Enzel, dis-nous, qui est le premier bagage qui monte dans ta tête lorsque, comme si nous parlons de la faim, un phénomène destructible comme si en Haïti, comme si qui est le premier bagage qui monte dans ta tête en tant qu'étudiant et en anthroposociologie? En tant qu'étudiant en anthroposociologie, le que ou dit, bon, Enzel est mes thèmes, non? Première question que je me posais moi, est-ce que et moins de compétences pour me parler sur un sujet pareil. Et puis, automatiquement, j'ai deux auteurs qui montent dans la tête moi. J'ai Marcel Mauss qui montent dans la tête moi. Et puis, j'ai Durkheim qui montent dans la tête moi. Je me dis, bon, si, toutefois, la faim, son phénomène social, je me dis, oui, nous avons de connaissances théoriques qui peut-être dans nos deux outils pour nous comprendre ce qui se passe en Haïti. Hein. Et me dit toutefois que nous avons considéré comme un fait social total, me dit oui, Marcel Mauss ben nous deux petits outils pour essayer de comprendre. Et puis me dit bon, on va aventurer. OK, c'est bon, c'est vraiment intéressant. Me senti que nous va gagner pile bagage nous va dire, pas vrai? En effet. Oui. Moi c'est que le public là a jeune en pile bagaille et mais il y a une autre question qui passe dans tête moi du coup. Qu'est-ce que vous pensez qui créait et phénomène ça dans la société là? Parce que tout à l'heure vous se dit que il y a deux auteurs qui permettent que nous essayer comprendre phénomène là. Donc non seulement que nous fin une compréhension de lui, mais comment il fait créer? Bon, en fait, l'important pour nous connaître et nous vivons en société, donc les phénomènes ne sont pas totalement de phénomènes naturels. Mm-hmm. Donc, ils sont considérés comme de phénomènes sociaux. Et puisque c'est de phénomènes sociaux, donc c'est nous-mêmes, en tant qu'individus qui vivent dans la société, qui créons les phénomènes. Tout de suite, nous avons essayé de regarder et un économiste comme John Kenneth Galbraith, en 2005, qui publiait un texte dans Le Monde diplomatique. Le texte, c'est « L'art d'ignorer les pauvres ». Et dans le texte, l'auteur a essayé de regarder qui sont riches et pauvres. Donc, il a montré que les gens qui ont l'argent et puis les gens qui n'ont pas l'argent vivent généralement côte à côte. Et ça peut être plus dur, c'est parce que généralement, malgré les riches et les pauvres vivent même côté, mais ils ne pas sentir confortable, c'est inconfortablement. Et parfois, de manière périlleuse. Donc, l'auteur a chita pour montrer que le phénomène ça d'une part, yo trouvé originaux dans la Bible. Par exemple, après il y a un passage dans la Bible qui dit et les pauvres car le royaume des cieux est à eux. Donc riche. Riche chita sous ça et puis monde qui pauvre eux-mêmes puisque yo connaît yo bon vie au-delà. Donc yo pas fait pièce travail en façon que pour changer condition de vie yo. Et monde qui plus ou moins gain moyen yo, yo tout profiter de ça pour que yo tout profiter de ça pour que yo fait beurre yo. Mais
Si n'a pas contextualiser le dans Haïti, bon, nous quand même globaliser tout pour nous dire, il y a deux bagages qui expliquent ça, c'est que c'est une mauvaise répartition des richesses et il y a une volonté qui pas gagner bon côté monde qui dans tête administration publique là. Après donc on pas parler de l'État, on volonté gagner comme l'État parce que en 2022 et professeur Alain Gilles publie il fait partie d'un ouvrage collectif, donc il développe un chapitre qui c'est et hors de la corruption une anomalie normale. Donc dans document ça, donc il montrait que en Haïti nous pas jamais créer l'État et chaque nous tenter pour créer l'État, donc il saboter pour les nouveaux colons. Donc ça va permettre nous comprendre question mauvaise répartition des richesses là vient faire que de manière indirecte ou directe a bien pauvreté qu'a créé et moun yo a mouri de faim. Par exemple, sous ta pour moun tako John Holmes et dans chronique de l'ONU, il montre que chaque jour gen 25 000 moun kap mouri de faim. Oh. Et 25 000 moun sa ou montre a gen 10 000 la den yo, se ti moun yo. Oh. Azè. Et là depuis loin, yo font estimation. Par exemple, yo montre que gen 854 millions de personnes actuellement qui en situation de sous-alimentation. Et avec question guerre qui gagne dans monde là, ensemble de et troupes, ça vient faire que prix produit augmenter et prix produit qui augmenter a vient faire que de 854 millions monde qui en situation de sous-alimentation ça de qui en situation sous personnes qui souffrent qui sous-alimentés ça monde ça il va augmenter de 100 millions. Vous essayez comprendre? Dans cas pas nous en Haïti, Banque mondiale montre que 20% moun ki pi richo yo possède plus de 64% de richesse. Et ça qui dure, gen environ 20% ça qui pi pauvre yo gen seulement 1%. Oh. Donc nous ka essayer comprendre qui sont la fin. Là ba nous on pisse pour nous comprendre. Comment qu'elle fait créer? Comment fait créer et mon équipe moun qui profiter de lui? Par exemple, j'étais petit à l'époque, ancien et sénateur de la Tibonite, à savoir et François-Annick Joseph. Monsieur était fait une déclaration côté le fait qu'on est que le département de la Tibonite est le grenier du pays. Qui dit un département ou bien une zone comme grenier, ça veut dire que zone n'a fertile. Et si zone n'a fertile, il y a possibilité pour zone n'a créer manger. Oui. Donc, si zone ça dit la créer manger, mais comment volonté y a de la part de nos dirigeants? Est-ce que vraiment il y a de politique agricole qui permettent que nous dit bon, nous connaissons comment nous vivons, comme il y a plus de 20% qui est en situation qui pas qu'à manger, qui pauvre, mais comment nous créer richesse dans le pays ça en façon à ce que pour que tout petit pays a joué une possibilité pour manger? Donc, si je comprends et tout étalage que vous souhaitez faire, et vous pensez que c'est une politique pour finir ensemble avec le peuple là, toutefois, et sans que nous ne pas écouter possibilité, et comme si, dans le sens comme si vous financez avec le peuple là, et sous plan insécurité sociale, ça, qui a valé terrain. En plus, et la fin, comme si côté que nous avons mouru, etc. Vous pensez que c'est une politique liée? Et bon, automatiquement, dit ça, il y a un intellectuel africain qui monte dans la tête, qui sait. HLMBB parlait de nécropolitique. Nécropolitique là qui s'allie, c'est politique de la vie, politique de la mort. Ça veut dire que c'est pas vous-même qui décidez vous devez vivre. C'est l'État ou bien institution transnationale qui décide qui dit mais qui est-ce qui va vivre? Mais qui est-ce qui pas de vivre? Mais qui est-ce qui est supposé vivre? Ah, ça veut dire ou voulez faire me comprendre que mais vous voulez faire me comprendre que c'est l'État qui décide combien de monde qui peut vivre en Haïti et puis combien de monde qui va pour vivre. Ça veut dire qu'il a retiré quelqu'un de nous pour être capable et protéger bien yo ou bien pas connaître. Attention. Donc, m'pa dit ça en Haïti. Okay. Mais nous ka essayer comprendre avec ça. Si par exemple ou va vivre dans un pays côté que ouais gens qui sont grand goût à ravager. Ou est comment majorité population pas travaille. Pas de pièce décision qui prend pour faire que les forçats de la misère un jour y arrivent dans un moment pour au moins bon côté pour dormir, pour au moins pour prendre un plat matin, midi et le soir pour souper. Donc bon volonté qui pas gagner bon côté dirigeant yo. Mais là les plus loin pour nous comprendre l'État, administration publique, organisme transnational yo, international là,
qui a décidé de dire mais qui est-ce qui a pu vivre, mais qui est-ce qui n'a pas pu vivre, et puis population ou bien minorité consciente là, il dit non, n'a pas changé la donne. Par exemple, au Kagadé, pendant tout 19e siècle là, ou bien début 19e siècle là, ça qui a la mode, c'est question colonisation et esclavage. Mm-hmm. Raciste, c'est ça qui a mené. Et puis, il y a un groupe qui est conscient qui dit non, 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 non. Nous pas qu'à continuer avec colonisation. Et du coup, il y a un ensemble de monde qui peut faire du mouvement et qui peut le bannir Haïti. Nous sommes coupés, fâchés avec ordre mondial qui te gagne, ordre qui te gagne, ordre colonial, esclavage, ça. Nous sommes coupés, fâchés avec. Mais en Haïti, après la révolution 1804, on ne pas joindre de monde qui plus ou moins conséquent qui vous dit ok, bon, ça a passé, il faut que nous stoppions. C'est ça qui nous dit dans l'histoire. Ok, ça veut dire que ce n'est pas une question de politique pour tuer moi dans Haïti. Ah, ça n'est pas été joué en donc, je ne sais pas que je vais mourir là l'autre semaine, hein, parce que je n'ai pas envie pour la fin de tuer. Donc, ok, et c'est toujours et ensemble avec et invité nous qui c'est. John Mekinson Enzer, qui est étudiant à la faculté d'ethnologie. Et parmi tout que c'est moi-même, Sarah Lee Jules, qui pote émission ça pour nous, juste là pour nous. Et c'est toutefois que vous avez regardé la vidéo, ça, parmi like, abonnez, quittez un commentaire pour nous. Parce que nous allons faire une petite pause dans le fini d'aller. Impatient pour nous te retourner joindre nous et pas oublier que vous suivez émission Flash Variété. Je dis à nous gagner un invité ensemble avec nous qui c'est John Mekinson Enzer. Et le sujet que nous gagnons pour aujourd'hui c'est la faim, un phénomène destructible en Haïti. Donc, nous continuons ensemble avec question par Enzer. Nous plein de bagages pour nous dire. Et question, comme si Fabien, que Talia nous t'a parlé de des affaires politiques, est-ce que c'est l'État comme si qui prend ça comme politique pour capable et tuer moun? Donc tu fais me comprendre noir sur blanc que non, ça que me dit c'est pas ça du tout, mais c'est plutôt et une sorte de technique que l'autre pays qu'on utilise, c'est pas ça. Donc et ça lie un peu les deux à la fois parce que gain une volonté qui va gain. Bon, moi-même en tant que et étudiants qui entrent tête nous en perspective à la faculté d'ethnologie, bon groupe étudiants qui dénomme tête sur les gilistes, donc qui courait thèse à l'ingil côté montrer l'État pas existé en Haïti. Bon, la difficile pour me parler de l'État, c'est okay, pas parce, bon. C'est parce que chaque y a tenté construire l'État ça, donc il saboté par les nouveaux colons, par exemple Dessalines, okay. 1804 et deux ans plus tard il a assassiné et chaque nous gagne deux monde sérieux dans tête pays là, donc qui tac va construire l'État, mais malheureusement nous plonger. Ça veut dire, j'en ai parlé, vous voulez dire, pas qu'il y a l'État qui existait. Bon, en fait, et l'État, du point de vue sociologique, ses rapports et son forme de politique, que ces rapports qui existaient entre population et territoire. Donc, et où on, tant qu'on a l'ingil, t'as qu'à dire, où on institution, où on administration publique, côté que c'est international là qui a décidé tout le bagaille. On tweet, mettons mon chef. La communauté internationale a décidé, une élection fin faite, et puis elle dit, mais qui est et qui est élu? Donc, on pas qu'à parler de l'État là. Ouais, et puis, l'on a des rapports avec le territoire là. Donc, comment, par rapport, et si on a regardé hier, on va qui passé, l'on a des soldats dominicains qui rentrent en Haïti, qui viennent faire des dégâts. Donc, on a des côtés de l'État, qui comment, qui rapport développé à territoire nous. Donc, nous entrons et nous faisons ça. Donc, on ne peut pas parler de l'État là. Parce que, seul ça qui t'a qu'à faire parler de l'État, c'est si reconnaissance internationale là, seulement ça. Mais okay. Pour nous, c'est ça Ndia et question HLM BBA, politique de la mort et de la vie, c'est monde ça qui décide qui est-ce qui peut vivre, qui est-ce qui pas pour vivre. Nous un peu li paraît un peu ambivalent. Est-ce que c'est ça nèg à poursuivre? Nous mettez la question. Est-ce que tout y entre là-dedans de manière indirecte? Nous mettez la question encore.
OK. Mais comme on dit pas gain l'état, moi m'a posé cette question. Est-ce que tu as supposé poser question que moi pose là? Parce que question c'est qui mécanisme ou pensée qui t'a doué gérer cause ici là. Mais le fait qu'on dit l'état pas existé, est-ce que question toujours valable? Oui oui oui, les valeurs parce que le fait que nous dit faut que nous pas prendre un piège par exemple, là on dit l'état pas existé, c'est du point de vue sociologique. Ah on OK, analyse, donc du coup question moi la réponse pas vrai. Tout bon pour cette question là, c'est ça pendant que nous dit l'état il pas existé, mais sous mandem qui ça gagne ou après gon forme d'administration qui héritait de l'administration coloniale, en forme d'administration politique qui héritait et de l'administration coloniale. Par ça exemple, ça noter carré les sortes de commission yo. En effet, par exemple, soit qu'à des sous-temps et la colonisation, l'État, ce n'est pas l'État haïtien. Haïti, c'était juste, et Saint-Domingue, c'était juste une colonie française, mais l'État, c'était l'État français. OK? Okay? C'est la France qui dit, mais qui ça cap fait, mais qui ça cap fait, mais qui ça cap fait. Je ne dis pas la France encore. Bon, après 1804 et de 1806 à 1915, où des jeunes monde qui ont eu monopole là, c'était et allemand. Généralement, par exemple, si vous regardez l'histoire de la colonie allemande en Haïti, Dr. Bernard montre que, et noir sur blanc, que Anténor Firmé, qui n'est pas arrivé président, c'est Allemand qui te dit non. Il n'y a pas besoin d'Anténor Firmé. Qui pourrait le venir faire que, après 1915, de 1915 à nos jours, les Américains bourrent pieds, donc, ils ont dit côté que Allemands ont perdu l'influence. Politique économique. On dit 2915 à nos jours, peut-être que je me suis dit que c'est 2915 à 1934. Ça, c'est occupation américaine. Ok, mais oui. Après, ça veut dire, toujours qu'il y a occupation américaine jusqu'à présent. De manière indirecte. Vraiment. C'est les États-Unis qui pratiquement décidé presque tout ça qu'a fait dans le pays. Donc, okay. Pour question hein, qui m'a dit et qui mécanisme qui t'a supposé prendre, qui ça n'a fait, bon, moi-même pensé, question la fin. Son politique, c'est tout en politique. C'est-à-dire, un monde, une institution, pas qu'à décider pour dire, nous allons combattre la faim en Haïti, ou bien nous allons combattre la faim dans le monde. Dans tout comme ça, c'est faux. Mais c'est toute institution, c'est toute population, toute force vive nationale qui peut mettre tout ensemble. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'OPC a causé que le TKD dans ça? Ensemble avec M. Renan et Douville, je ne sais pas pourquoi vous entrez dans ça. Parce que c'est plus pour protection civile. Bon, m'pas entrer dans paramètre. Mais quand même, c'est protéger, protéger si toi contre la fille. Non, mais quand même, c'est lié ensemble. Par contre, si Internet, tu as d'accord ensemble. Même si nous d'accord, nous avons toujours quitté ça dans nos commentaires ou bien pas connaître, mais ça intrigue quand même comme question. M'parete quoi, au PC là, et pour le protéger contre la femme, plus qu'elle protéger contre l'autre bagaille, t'as des désastres, les catastrophes naturelles, et puis grand ensemble de bagaille. M'pas quoi la fille entrer dans la mission. M'pas quoi. Mais l'important pour nous comprendre que, faudrait que gain de effort qui fait pour que gain banque de développement parce que on pays ou pas qu'à combattre la faim bon par contre si nèg yo gain ça dans plan retour sans que pays a pas gain banque de développement ça c'est un deuxièmement parce que banque commerciale yo pas qu'à gain un effort a besoin fait par exemple si me besoin prêter environ 1 milliard de gouttes et puis non projet m'a investi c'est juste après 10 ans m'a pas commencer puis comme ça banque commerciale là pas qu'à attendre pendant tout temps ça. Okay. Autre que banque de développement, pas c'est important pour gagner de banque agricole. Pas oublier que tout à l'heure, me dit ancien sénateur de l'Antibonite en l'occurrence et François Annick Joseph, il dit le département de l'Antibonite considéré comme le grenier du pays. Mm-hmm. Eh ben si département de l'Antibonite comme grenier du pays, eh ben est-ce que gagner de vraie politique agricole? Est-ce que gagner banque agricole? Nous pas connaît. Est-ce que gagner banque de crédit, de vraie banque de crédit agricole? Par exemple, paysan dans la Tibonite ou bien peu importe côté dans 10 départements, li connaît si m'a planté du riz, mon côté m'bralé, il a prêté m'cob et il a prêté m'cob là non taux qui très normal, c'est pas un taux qui a pété fiel. Mais nous pas gain banque de développement, nous pas gain banque agricole et nous pas gain véritable politique de crédit. Et ben ça vient faire que combattre la faim en Haïti, il paraît un peu difficile. M'pa di, m'pa pessimiste pour me dire non pas privé combattre la faim, mais pas quoi parce que nous pas ba tête nos direction pour nous ça par exemple même en Amérique du Nord il y a un problème ça même en Amérique du Nord c'est pas que en Haïti dans pays sud non tout simplement problème n'a répété plus dans pays tiers mondiaux OK dans pays sud plus jeune problème ça mais en Amérique du Nord il y a un problème ça tout mais n'est pas même gens
Mais tout pendant que on parlait de l'Amérique, etc. Mais nous t'as cherché est-ce que pas un mécanisme comme si en Haïti qui t'as supposé pas comme si gérer phénomène ça. Donc où t'arrives à faire nous comprendre que tout net t'as supposé mettre tête tout ensemble, pas vrai? Et jusqu'à ce que où t'es parlé de banque agricole, nous par contre si ça va exister dans le pays nous. Donc du coup t'as aimé qu'on est pam. Question PAM, qui c'est programme et alimentaire mondial okay. Qui t'a doué comme si c'est t'a doué pour la manger, il va vrai ou bien pas qu'on est pour aide par moyen et UNICEF, UNESCO, pas qu'on est. Et comme c'est même sociologue, moi c'est que si PAM bien on va dire supposé dire ça, c'est qui genre quand même. OK, essaie regarder PAM comme programme alimentaire mondial. Environ gain, on pensait li dans environ 80 pays. Donc, il est créé en 1961. Donc, théoriquement, quand ça écrit, il a écrit comme ça, c'est la plus grande organisation qui l'a cap goumé contre la faim. Ça et ça écrit, la goumé contre la faim, la goumé contre sécurité alimentaire. Donc, mais en réalité, nous tout cas, ouais, c'est pas vrai. Par exemple, même David Bisley, c'est monsieur actuellement là qui est en tête PAM. Même lui connaît, c'est dans menti ou ya tête. Par exemple, on essaie gagne nos bagages très clair. Si vous dit ou ap goumen contre la faim. Si vous dit ou voulez combattre la faim, tout bon vrai ou nous prend par exemple un pays tant quoi Haïti. Pour qui ça les aides ou vini au lieu pour m'acheter du riz, pour m'acheter riz dehors, pour qui ça me pas prendre comme ça, moi encourager moun ki nan production nationale yo de façon attendez de façon à ce que m'parle de yo m'encourager production nationale là moi l'aime besoin du riz à m'acheter dans mes paysans yo mais nous mais yo pas jamais fait vous comprenez ça c'est parce que faut qu'on la tourner là kayo le par exemple international là bon aide le par exemple international là bon aide dans tout prendre niveau et technicien ba ou technicien et pas technicien, c'est non, c'est technicien pas niveau ibao. Et ça pis dur. Généralement quand vous êtes technicien qui pipiette. Et pas monde qui pi qualifié non, monde qui pi qualifié obligé qu'embel la cali, niveau ça pipiette là-bas ou et puis il prend quoi encore. On bagaille très simple si pam. Tout bon vous étape gomme contre la femme parce que premier bagaille il t'a fait, il t'a permettre que pays qui gagne bureau lieu qui dans programme ça, il t'a facilité que gain développement agricole côté que manger c'est pas manger cap saute de pour l'acheter pour pile comme mais c'est de manger qui fait dans pays a et favoriser en nouvelle classe. Oui, mais ça que je voulais dire tout et depuis tout à l'heure, c'est est-ce que c'est pas une politique comme ça que Jovenel Moïse s'est mené parce que moi crois que il était fini et ensemble avec banane, etc. Et puis tu commences avec un bail caravane, tout. Non, mais est-ce que ce n'est pas tout façon pour te éradiquer le phénomène ça qui a ben un problème et depuis plus de décennies? Ok. Mais attention, moi-même, je pense que c'est un piège, il faudrait que nous ne prenions pas la donne. Il faut que nous évitions de prendre un piège. Entre un discours politique avec les nabgas de feu, est-ce que nous avons fait ça? Oui. Par exemple, si pour un acteur et Thomas et allez m'oublier tout nom monsieur écrit Haïti is open for business donc un projet de développement anti paysan donc et dans projet de développement anti paysan montrer grand ça Haïti même dirigeant nous généralement les dit mais ça on va le faire mais pas vrai yo pas jamais fait le vrai même Jovenel là on essaie regarder ancien président de la République Jovenel Moïse la combat de mémoire la combat en groupe monde aucun problème. Et puis, même président qui dit la pète manger dans la poche nous. La pète l'argent dans la poche nous, c'est même lui-même qui bat un groupe monde, on pilte. L'opres Savanzen ou de Klaël comme zone fache, Savanzen te bon équipe paysan tout le ou de. Ou prête à nan meyo, et puis ou fait paysan sa ou vin travail dans l'industrie. Donc, ou trouvez le normal, combien comme ça le minimum nan yé. Est-ce que vraiment go politique? Moi, je pense qu'il faut que nous pas prenne un pièce ça. Parce que ça qui est important pour nous comprendre, c'est pas dans la bouche un dirigeant ou bien un monde qui veut occuper l'État, entre guillemets, s'il t'a arrivé créé, pour dire nous pas le faire tel bagage, nous pas le faire tel bagage. Mais non, c'est faudrait que, ouais, est-ce que le faisable? Et ça fait, nous parlons de faisabilité. Par exemple, un haïtien, on va parler avec les billes de comme ça, bon, rêve-moi, je suis un gros joueur hockey. Bon, côté le bras joueur hockey, ça, qui est glace en Haïti.
de fok nou evite pou gen bagay sa. Et pou m fini, m ap ajoute un bagay sou même question de la fin. Lòp on nèg tankou et Josué de Castro. En 1952, nan géopolitique de la fin, monsieur écrit. Monsieur dit au Brésil. Moitié population a pas dormi. Nous nan Brésil en 1952. Il dit moitié de la population li pa dormi. Pour ça qu'on n'est pas dormi parce que le grand goût. Oh. Et puis il dit l'autre moitié population pas dormi non plus. Pour ça qu'on est. Mhm. Vous savez pas y? Non, parce qu'il peur moun ki grand goût. Oh. Il a mangé. Évidemment. Haïti c'est seul pays côté où jeune ou t'allé am de dou, Banque mondiale dit et ça a jour en juin 2022, yo mettait la jour Banque mondiale. Ça va garder ça bien. 20% qui pi riche là, li possède plus de 60 combien pourcent? C'est vrai. Et ça qui moins et ça et tout reste ça qui moins riche là, donc il possède seulement 1%. Et puis tout le monde à l'aise comme si c'est rien n'était. Donc c'est seul Haïti. Et puis on va le voir avec nous là notre tête Brésil, donc ça va changer dans les années 2000. OK, c'est vrai. Donc c'est tout ton projet pour combattre la faim. C'est pas dans bouche, c'est deux bagages. Nous besoin de bagages théoriques mais nous besoin faire terrain tout. Nous besoin de bagages empirique pour connaître qui politique n'a pas appliqué qu'a facilité nous gérer on sait où de bagages. Nous combat c'est deux bagages. Mais faut dire bien éradication de la faim difficile. Oh. Éradication pas carré. Donc tout dit pour ça que éradication de la faim difficile. Donc qui bon genre solution ou même où tu es capable joindre pour ta arriver au moins retirer comme si quelque monde ta aussi me te dit toi tu à on par exemple les non niveau comme ça n'a mettre le niveau comme ça. Voilà exactement. Okay. Moi je pense parce que gros bagage qui est important pour nous comprendre. N'a vivre nous en pays côté que pas de pièces institution dans le pays. Toutes les institutions. Vous avez dit là, oui. Vous dites pas de pièces institutions dans le pays. Je vous montre un bagage. Là, prend institution policière là. Qui sont contre la population qui est dans la tête de la police? Un policier, le premier bagage qui monte dans la tête, son homme qui par contre lui. Ça, c'est le premier bagage qui monte dans la tête de la population. Deuxième bagage qui monte après son homme qui par contre lui. Son homme, non seulement par contre lui, mais pour ton âme qui a fait un job. Qui peut être qualifié en job sale ou pas, pas qu'on est. L'emploi en professeur. En professeur de l'école, qui peut être un professeur à l'université ou bien à l'école classique, tout ça. Les gens disent, son professeur, premier bagage qui monte dans cette population. Oui, son nègre qui peut être fort. Mais nous connaissons qui va gagner après fort. Celle qui connaît ça, ça gagne. Il n'y pas qu'à manger, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Est-ce que vous comprenez? Et tu dis toujours fait de ceci, ben, sous affaire. Ben, ça vraiment. L'emploi paye, il n'y a pas d'université. Lorsqu'on paye l'État n'a pas jamais construit, voire pour ta construit société haïtienne. Lorsqu'on paye qui a une classe politique traditionnelle, qui chita, qui a fait un bagage ou pas contre ça l'a fait, c'est comme si Haïti son pays, tout pays a fait comme ça, lui-même, il n'a pas même fait bagage de fond l'autre route. Si tu le monde là va prendre ça avec ou ouais ça la cacher ou pas connait qui veut faire. OK, je comprends. Ou bon pays ou presque moi même c'est ça qui est important c'est ta faut que nous gon l'autre université dans pays là. Faut que nous gon l'autre classe politique. Faut que nous gon l'autre université te dit que vous faites partie de UH là oui non mais pas comprendre. Vous faites partie de UH on dit faut gon l'autre université ça veut dire ça va pas prendre yo pas bon. Est-ce que c'est pas ça va prendre yo ou venir ensemble avec là du coup? Non, écoutez. OK, n'a passé. Comment on mon étudiant en Haïti? OK. C'est parce où du étudiant faut pas penser ça qui a passé dans pays à différent de ça qui a passé dans l'université. C'est même bagaille. C'est comme si l'université son pays en don pays. Son microcosme. Okay. Son microcosme. Son petit pays, son petit société lié. Bon, moi, ton bagaille très clair. Okay. Faculté d'ethnologie font élection 2020, 15 janvier 2020. Okay. Est-ce qu'on connaît doyen et nous avons Ilionor, lui, qui est élu? Et pour jusqu'où il y en a lui pas qu'au jamais installé et monde qui perd l'élection toujours était dans tête faculté pas dire que c'est Das Claude Mandas évidemment waouh seigneur toujours dans tête faculté pendant ce temps perdu en élection est-ce que vous comprenez et bien ça passe yo tout flash monsieur c'est là c'est pour montrer même pour un pays à diriger en AI c'est comme ça l'université a pratiquement à diriger en AI. On équipe les gars. T'es chargé. C'est vrai. Eh bien, ça fait. Donc, son politique AI cap mène en Haïti. Et ça fait, faudrait que nous avons l'autre université.
faut que nous avons l'autre classe politique. En classe politique côté que qui a accès sous formation. Les gens nous disent, par exemple, allez, Gilles montre que parti politique nous gagne en Haïti, il n'y a pas de vrai parti politique. Il n'y a pas de parti politique, tout simplement. Parce que, et pas pour nos grands monde, nous avons montré faire politique. Ça, il faut qu'on cule sur politique. Inné. Non, ce n'est pas inné, c'est socialement construit. C'est-à-dire, c'est des petits monde, oui. Comment faire les socialement construit et formal inagé pour mal avoir une science pour mon politologue? Non. Pour mon politologue, pour ma faire politique. Non. Politologue là, si mon a allé dans sens politique, donc il est formé, il fait 4 ans, licencié, et il a un master dans la main, il arrive à un doctorat, ok, un politologue. Mais différent de, il parle de culture politique. Par exemple, il parle de parti politique, je ne suis pas obligé de faire sens politique comme mon parti politique. Okay. Il parle de culture politique, nous pas gagné la carrière. Par exemple, si tu as fait une étude empirique pour essayer de regarder pour combien de Simon, soit dans la 6e année ou bien qui dans le groupement dans l'école, qui dans le groupement qui a pensé pour le pays, ou bien ne doit pas venir. Eh bien, problème là, fin, n'a pas parlé, ou bien peu importe le problème qui a ravagé le pays, ou pas qu'à résoudre avec classe politique ça, ou pas qu'à résoudre avec classe économique ça, ou pas qu'à résoudre avec modèle universitaire. D'ailleurs, il faut comprendre que l'université amène ses côtés qui travaillent pour la société, c'est avant-garde société. Ça veut dire bon, même l'université qui l'a fait tout. C'est pas même qui a protégé la tête, libre, qui ça le cas. Ou pensez que les étudiants qui vont mourir dans l'université pour question de la fin? Honnêtement, je n'ai pas de données sur ça. Je n'ai pas de données sur ça. Même qu'on est, à l'Université d'État d'Haïti, bagay yo pas trop bon passé ça. Okay. Si on sait, si observation peut permettre de comprendre ça, paraître dans n'importe faculté que dans l'Université d'État d'Haïti, garde pour on s'achète de l'eau à combien mon libre. Garde pour elle, on achète en place spaghetti à combien mon libre manger. Peut-être. Ou bien doit approcher ou dire bon pour qui ça nous tout pas gon spaghetti de non c'est vivant sans son tête faut aller nous même faut aller nous donc moi je pense l'important pour penser à construire société à et chaque fois que j'ai une occasion nous rater je pense fois ça l'important pour nous ta dit n'a prendre ses noms mais sinon je pense pita pitris par exemple soit regarder un monde comme Ernest Renan dans qu'est-ce qu'une nation nous sommes trop clairement une nation. Son après un pile passé défaut au fait mais faudrait que les construit les passé à construire faut présent faut qu'a fait de projection de vraie projection mais les nous même nous seulement dès pour parler de haïtien il obligé remonter à 1804 pour montrer fierté ou est normal les pas normal de 1804 à nos jours pour me parler de fierté haïtien m'obligé monter les pas normal vraiment donc bah était chargé parce que c'est important pour on l'autre classe politique, on l'autre université, on l'autre classe économique. Et comme ça, nous pas seulement qu'à combattre la fin d'un pays, mais nous combattons un paquet de bagages. Et l'un pas les deux Haïti, nous pensons que nous avons une fierté de nous gagner dans le temps encore. Ok, merci India. Voilà, mesdames et messieurs, c'était émission et flash à variété. Nous avons gagné ensemble avec nous. Et India qui t'a porté en pile et bel conseil pour nous et li t'a profité remettre comme si et quelque pareil et qui a fait dans pays en question donc nous soulever en pile question donc c'est rester à ou même si toutefois ou une question que ou envie poser toutefois que ou un bagage ou envie dit pas oublier quitter ça dans un commentaire nous t'es vraiment content ensemble avec vous. N'a quitté, n'a dit au revoir à vendredi prochain, même l'heure.